Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation du grand livre de l'absolu de l'oracle de Gabriel Leroy et Ange de Gaïa que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et Gabriel m'avait envoyé son livre en même temps que la nouvelle édition du Falenaria et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous présenter le livre parce que franchement il vaut le détour, il est vraiment super chouette et il apporte vraiment beaucoup de choses du coup à l'oracle. Voilà. Bon, du coup j'ai pris l'oracle près de moi dans l'édition finale, enfin la dernière édition. J'ai aussi la toute première édition qu'ils avaient fait en auto-publié aussi, hein, avec ce magnifique pochon en velours. Il y avait un papillon dessus, voilà. Et les cartes étaient comme ceci. Il y a d'ailleurs le dos a changé depuis aussi. Et quelques illustrations de cartes aussi. Mais bon, comme c'était la toute première version que j'ai achetée, et maintenant c'est une version qui en plus est recherchée, je l'ai précieusement gardée. Et il arrivait avec un cahier à spirale comme ceci, hein, qui est dédicacé par Ange de Gaïa et Gabriel. Et voilà, et je vous montrerai ce qu'il y a de plus dans le gros livre par rapport à celui-ci et par rapport au guidebook qu'il y a ici dedans. Donc, avant que j'oublie, je vous avais fait une vidéo de comparaison entre cette version-ci et cette version-là, et en même temps de présentation des cartes. Donc, je vous mettrai le lien vers la vidéo directement dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller voir les cartes, l'explication du jeu plus en détail, parce qu'ici, on va plus se pencher sur le livre, etc. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien de la vidéo. Et je vous mettrai aussi, bien sûr, le lien vers la boutique de Gabriel. Comme ça, si vous voulez aller voir pour vous procurer le livre ou le jeu, vous n'aurez qu'à cliquer dessus également. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté le pochon. Ici, la boîte, c'était aussi une magnifique boîte cloche. Hein, très solide, très jolie. Avec un petit message dedans. Ici, on avait le guidebook. Donc, pour ceux qui ont acheté la version, vous voyez, il n'y avait pas moins que dans le cahier à spirale. Voilà. Et les cartes sont ici. Bon, je vous remonte quelques cartes brièvement. Et moi, j'adore le dos de cette édition-ci avec le papillon. Elle est magnifique, je trouve. Voilà. Et bon, il y a 64 cartes. On retrouve les magnifiques illustrations de Gabriel. L'originalité aussi, c'est qu'il y a 4 mots-clés au coin des cartes. Donc, vous pouvez les lire en fonction, vous voyez, des cartes qu'il y a autour. Enfin, c'est vraiment un jeu très bien construit, très original. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Et ici, les cartes sont de super qualité aussi. Voilà. Bah, si vous voulez toutes les voir, si vous ne le connaissez pas, j'adore celle-ci, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais déjà faite. Voilà. Zoop. Je vais les mettre de côté. Et du coup, ici, vous aviez dans le guidebook qui était fourni avec, hein, qui était bilingue. Vous aviez un ou deux tirages, je crois. Ouais, le tirage à une carte, le tirage en 4 cartes. Et c'était tout. Et vous aviez ça comme explication. Voilà. Une petite... Il n'y avait pas des masses... Donc, je vous assure que le livre vaut le détour. Ici, par contre, il y avait un peu plus. Il y avait presque tous les tirages qu'il y avait dans celui-ci. Et je vais vous montrer juste pour une carte ce qu'il y a de plus. Comme ça, vous allez vite comprendre. Comme ça, si vous avez la première édition, je vais déjà prendre la page. Voilà. Bon. Mais du coup, voilà. Je vais quand même vous lire ce qui est écrit au dos du livre. Hein. Conçu par Ange de Gaïa, illustré par Gabriel Leroy, l'oracle L'Absolu vous permet de pratiquer la voyance selon la cartomancie traditionnelle ou de demander une simple guidance. L'Absolu est le fruit d'une réflexion de 10 ans sur l'accessibilité des jeux de divination en général. Pourvu de 64 cartes, son apprentissage n'en est pas moins aisé et cela grâce au livre que vous tenez entre les mains. Le grand livre de l'absolu est un guide complet rédigé par l'auteur et mis en page par l'illustrateur, avec temps et amour, tout comme la conception du jeu.
Vous y trouverez une présentation, un rituel de purification de votre jeu, plusieurs méthodes de tirage et pour chaque carte, une description de l'œuvre par l'artiste, la guidance associée à l'image et les significations divinatoires intuitives pour plusieurs domaines. Également, pour chacune des cartes, découvrez toutes leurs symboliques et les interprétations possibles lorsqu'elles sont croisées avec d'autres cartes du jeu. Bienvenue au cœur de l'absolu et il est au prix de 26 euros. Et celui-là, vous le trouvez sur la boutique de Gabriel, du coup. Je pense pas qu'on le trouve ailleurs, hein. Déjà, la couverture est très très belle. C'est du papier cartonné, mais il est super agréable à toucher, je trouve. Je sais pas en quoi c'est. Ah, et alors, l'intérieur est très soigné, hein. Regardez les illustrations. C'est du papier très épais. Il fait 288 pages. Ici, vous reconnaissez Ange de Gaïa et Gabriel. Voilà, vous avez une petite présentation qui explique évidemment à quoi sert le jeu. Et je voulais quand même vous lire ce qui était écrit ici à propos du livre, ici. Le livre contient également des interprétations possibles dans quatre domaines différents. L'amour, qui contient également l'amitié, le travail, incluant les relations interprofessionnelles, la santé du corps, la spiritualité, santé de l'âme, voie spirituelle, etc. Certaines cartes représentent un domaine professionnel, une partie du corps humain. Cela vous permettra d'aller un peu plus loin dans le détail quant à vos questionnements sur votre voie professionnelle ou votre santé globale. Toujours dans une optique de précision, toutes les cartes sont relatives à une saison, une période de l'année, un événement météorologique, ce qui vous permettra de dater un événement en fonction du temps, non des chiffres. Alors ici, on a comment tirer les cartes. Ici, c'est marqué, ce chapitre est offert aux débutants qui souhaitent apprendre la divination avant de se lancer. Voilà. Et c'est super joli, hein. Le fond est beau, les illustrations. Ici, elle vous donne un petit rituel de purification. Si vous avez le vôtre, vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre celui-là. Et ensuite, on a des méthodes de tirage qui sont super bien expliquées. La croix celtique, savoir ce que l'on pense de vous, ça c'est un tirage très original. Le panorama pour tous les domaines. Tirage à trois cartes pour la journée. Le tirage du roseau, de la marelle, de Delphes et de Discordia pour comment résoudre un conflit. Et ensuite, on passe à la description des cartes. Vous avez ici la carte en grand, en pleine page, même plus grand que la carte originale, son nom ici. Le nom de l'œuvre, un capin Gabriel. Donc vous voyez, bon, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Je sais pas comment je vais vous mettre pour que vous voyez. Ici, on reprend la description poétique qui était ici. Ouais, là, vous voyez encore bien. Bon, je vais faire comme ça, vu que c'est un cahier à spirale, j'aurai plus simple, hein. On reprend la guidance qui était ici, qu'on reprend ici. Les significations intuitives pour l'amour, le travail, la santé, le spirituel, on les reprend ici. Avec les couleurs, je trouve ça encore mieux, c'est plus clair, c'est plus joli, je trouve. Voilà. Et alors ici, on avait si précédé au recouvert, et vous voyez, c'est tout ce qu'on avait pour une carte. Tandis qu'ici, quand on tourne, vous allez voir, il est super riche. On a tout le symbolisme de la carte expliquée, des associations avec d'autres cartes du jeu, etc. Et franchement, regardez tout le texte qu'il y a, il est super intéressant. Voilà. Et bien, vous avez retrouvé ça du coup pour toutes les cartes. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Je pense qu'on va en tirer une du coup au hasard. Et comme ça, je vous lirai ben, ce qu'il y a dans le guidebook. Je sais que vous aimez bien quand je vous tire une petite carte et comme ça vous verrez en plus comme c'est la présentation du livre, ce serait un peu bête que je ne vous lise pas une carte, comme ça vous verrez à quel point elle est riche. Bon, ceux qui ont la première édition avec le guidebook en spirale, vous aviez déjà quelques tirages qui étaient dedans, vous aviez la guidance, la signification dans les domaines, mais vous n'aviez pas le symbolisme. Par contre, pour ceux qui ont acheté l'édition finale et qui ont ici le petit paragraphe, je vous assure que le livre vaut le détour. Voilà. Du coup, on va voir ça. Bon, je ne vais pas trop les mélanger non plus, hein. Voilà. On va prendre celle-ci, juste pour que vous ayez une petite vue du livre. Voilà. Donc, on a le trésor avec la carte 46. Bon, je vous la remonte de plus près, hein, comme elle est jolie.
Et bah, du coup, comme elles sont numérotées, on va aller chercher la 46. Et les couleurs sont magnifiques. Franchement, regardez ici. Les couleurs du livre sont vraiment belles, quoi. Elles ressortent super bien. J'avais vu une avec le... Voilà, celle-ci. C'est celle-là que je cherchais pour vous montrer. Elle dépote, quoi. La couleur est magnifique. Donc, on a le trésor, la carte. Hein. Vous voyez. Oh, ben, c'est un petit peu plus grand, ouais. Allez. Et l'œuvre, c'est le cœur végétal. Voilà. Donc, ben, je vais quand même vous lire la description poétique. Hein. Ça, c'est un petit peu... petit poème de Gabriel, qui est un grand poète également. Assise en un refuge au mur tressé d'étranges végétations, sous une tendre lumière bleutée et rassurante, une demoiselle aux allures d'elfe contemple son trésor. Son col relevé et les vagues parures dans ses cheveux lui donnent un air précieux. Mais ce n'est sans doute pas là sa plus grande richesse. Elle tient en effet entre ses mains un objet rare, sorte de fruit luminescent, comme un cœur végétal. Face à face avec cette extraordinaire trouvaille, hypnotisée par son mystère et sa pureté, elle n'est plus faite que d'admiration, à tel point qu'on ne saurait dire lequel des deux possède l'autre. Voilà, donc ça c'est un très joli poème que vous n'avez pas dans ce guidebook-ci, qui était fourni avec cette version. Voilà. Alors, les significations intuitives pour l'amour. Relation que l'on chérit, partenaire admirable, comme un trésor en fait, ami d'exception, amour pur. Pour le travail, ce sera plutôt domaine de l'artisanat, idée, projet, récolte de fruits du labeur. Pour la santé, on sera plutôt sur les mains, sur la partie du corps, du coup des mains, la régénération, apprentissage, amour de son corps, le spirituel, contemplation, introspection, méditation. Pour la guidance, la gratitude est l'action de remercier, de s'extasier, de jouir et d'apprécier pleinement ce que l'on voit, touche, goûte, sent, entend, ce que l'on possède, ce que l'on désire, ce que l'on vit ici et maintenant. La gratitude n'est pas le fruit d'une soumission à qui ou à quoi que ce soit, pas plus qu'une politesse de circonstance, c'est tout simplement l'art de dire merci à l'univers, d'accepter de recevoir toujours plus, d'évoluer toujours plus. Chaque jour, pour faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, dites merci pour tout, absolument tout, même pour l'épreuve vécue, car elle vous dirige, vous élève, enrichit votre conscience. Plus vous vivez avec gratitude, plus vous recevrez de quoi remercier. Voilà, donc ça c'était la, il me semble, je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises, la petite guidance qu'on retrouvait du coup ici. Je vais quand même aller vérifier parce qu'il me semble, mais ouais, voilà. Ça, c'était ce que vous aviez dans le petit guidebook. Donc, vous n'aviez pas la description poétique ni les significations par domaine. Et alors, ici, on a le symbolisme. Ah, mais j'ai choisi une petite. Ici, il n'y a pas trop. Le trésor symbolise tout ce qui est matériel, tangible, palpable. C'est la carte de la possession. Elle peut donc venir dans les tirages concernant la recherche de biens à acheter ou à vendre, comme une maison, une voiture. Elle peut représenter un objet ou un bébé, c'est-à-dire une entreprise ou un projet auquel on tient viscéralement. Cette carte peut également être vue comme la charité et la générosité lorsque l'on vient en aide ou que l'on fait un don. Elle symbolise également les fruits des efforts, ceux que l'on récolte après avoir semé et travaillé. Avec la carte de la progression, donc ça c'est si vous êtes en association avec cette carte-ci, de la progression, on peut interpréter un trésor spirituel qu'il faudra mettre à bien dans le monde physique, comme l'altruisme, la compassion, la charité, etc. Concernant la datation, cette carte peut indiquer le printemps. Par contre, avec la carte du message, cela peut représenter une bonne nouvelle dans le domaine financier et ou professionnel. Arrivée d'argent, d'une promotion ou proposition de projet auquel on tient ou on tiendra et qui portera ses fruits selon les cartes voisines. Voilà. Donc vous voyez comme c'est riche. Bon, ici c'est un exemple, il n'y avait pas énormément de symbolisme, mais vous voyez par exemple ici, il y en a nettement plus, quoi. Et ça permet de comprendre du coup... Ben encore mieux, je trouve, l'illustration, le jeu, vu qu'on a vraiment le symbolisme que Gabriel a voulu donner à son illustration. Voilà.
Franchement, il est super chouette. Et je trouve que les tirages sont super chouettes aussi. Je vais peut-être juste vous dire, par exemple, ici, la croix celtique, ça sert plutôt pour débloquer une situation. Ici, ce que l'on pense de vous, ben, ce n'est pas difficile, hein. Celle-ci, vous avez envie de savoir ce qu'une personne pense de vous. Et il a été proposé par la médium Maud Christen, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai son tarot de l'Éden. Le panorama pour tous les domaines, ben là c'est pour avoir un panorama d'un peu tous les domaines de votre vie, hein. Vous voyez, amitié, amour, spiritualité, relations sociales, santé, argent, etc. Le tirage à trois cartes pour l'énergie de la journée. Ça c'est très chouette aussi avec ce qui est important, les aspects importants de la journée, l'énergie, la vibration énergétique et à surveiller à quoi le consultant doit prêter le plus attention aujourd'hui. Alors, on a le tirage du roseau, compteur de force et de faiblesse pour atteindre l'équilibre. Le tirage de la marelle pour connaître sa voie spirituelle actuelle. Le tirage de Del pour anticiper un changement à venir. Et alors, le Discordia pour aider à résoudre un conflit. Voilà, donc franchement, ce livre est une vraie pépite. Bon, d'ailleurs, si Gabriel ne me l'aurait pas envoyé, je l'aurais acheté parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je trouve que le livre, franchement, apporte encore une autre dimension au jeu parce qu'on a la vision du coup de Gabriel, de ce qu'il a voulu faire passer dans son illustration. Je le trouve super, quoi. Et franchement, si vous avez cette version-ci avec ce petit livret-ci, il vaut encore plus la peine parce que là, vous y gagnez encore plus parce que vous avez la guidance qui était là, mais vous avez dans les domaines le symbolisme, le poème de Gabriel, etc. Voilà, je vais quand même remettre la carte dedans. Du coup, voilà. Voilà, donc, et puis si vous aviez le calier à spirale, franchement, vous avez toute la partie symbolisme aussi, en plus, qui vaut le coup d'œil aussi. Voilà, mais du coup, dites-moi en commentaire si vous avez le jeu, ce jeu-ci, l'absolu, si vous avez craqué pour le grand livre, si vous ne saviez pas qu'il était sorti, si vous le trouvez aussi génial que moi, si vous avez la première édition, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous invite, du coup, si vous ne connaissiez pas le jeu, à aller voir ma vidéo que j'avais déjà fait pour vous le présenter. Le lien sera dans la barre de description. Voilà. Mais évidemment, je remercie encore Gabriel qui m'a envoyé ce livre, hein, qui est tout simplement magnifique, franchement. Autant la mise en page, j'adore l'arrière qui est illustré, vous voyez, avec l'illustration. Les couleurs qui ont été mises, même là, c'est super beau, quoi. Le papier qui est super épais, franchement, c'est vraiment un magnifique livre qui vaut le détour. Voilà. Ben, du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!